Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, de retour sur Hogwarts Legacy. Et pour ce live, au programme, aucune mission, que de l'exploration. Pourquoi pas rechercher d'éventuels secrets? Pourquoi pas trouver des petites pièces secrètes? Je ne sais pas. Dans tous les cas. Ah bon, on va prendre les quêtes secondaires quand même si Est-ce jamais on que en tout va croise. bien? Ah, bonjour. Contente de te revoir. C'est gentil de demander. Et non, malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Comme tu t'en souviens peut-être, Ah, j'essayais de j'ai le lancer son un de la télé. sortilège informulé lorsque nous nous sommes rencontrés dans Je la me salle disais commune. aussi. Eh bien, j'ai réussi. Maintenant, j'essaye de créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? Oh, en fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ok, très bien. On s'en occupera. On s'en occupera. Bon, du coup, est-ce qu'on a une zone qu'on n'a pas vraiment Après, on peut. Écoutez, je pense qu'on va aller dehors. Pourquoi je peux pas aller Ah, attendez. Pourquoi je peux pas aller vers la sortie? Attendez. On va aller voir. On va aller voir par où on peut sortir. Peut-être. Bah, peut-être qu'en fait je ne peux pas sortir. Ouais, on était déjà venu ici. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir! Pitié. Alors. Ça devrait être par là. C'est la sortie là ou pas? Non. Ah! Nous sommes dehors. On va aller vers le terrain de Quidditch. Et on va explorer un petit peu les environs. À l'extérieur, si on peut trouver quelque chose, on prendra bien sûr. On va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir par ici. Du coup, on était venu ici. Je suis. Attendez, on était venu ici là? On est bien d'accord que c'est chez. Non, c'est pas chez Hagrid. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, on a toujours pas de possibilité de crocheter les serrures. Ah! Bonjour! Vous allez bien? Ah, bonjour aussi. Non, pas bonjour. Tant pis pour vous.
Moi, je vais vers le terrain de Quidditch. Comment on y accède? Ah, les champipis, les champignons. Alors, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où on peut y accéder? Ah, attendez, regardez. Récupère les champignons. Je sais pas encore à quoi ça va nous servir, mais on récupère. Qu'est-ce qu'il y aurait par ici? Qu'est-ce que l'on pourrait trouver? Récupère ça. On va aller voir par là. Coup, j'étais censé. Rébellion. Ah ah! C'est sous-sol. Ah là, il y avait des trucs à récupérer. Les chrysopes. Chrysopès. Je sais pas trop comment on le prononce, mais. Il y en a encore ici. C'est bien, on ferme tous les objets là. Enfin, tous les objets. C'est qu'on était tombé sur la. Ah, mais attendez, mais oui, il y avait la caverne. Ah, par contre, je sais plus où c'était. Je sais plus par où on était passé pour y accéder. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'aller par là. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à récupérer, hein. On va voir si on peut faire quelque chose de ce côté-ci. Si on escalade un petit peu. Je pense qu'au bout d'un moment. Fait, je me dis à tout moment, on tombe sur un petit passage un petit peu secret. Ouais, là, non, je crois qu'on aura un, mais. Je me demande s'il y a pas que... si on peut pas accéder au-dessus là. Ah, je pense pas. Oula. Non, on peut pas monter là. Non, mais y a peut-être rien. On cherche peut-être des secrets là où il y en a pas. Par contre, on a vu qu'il y avait quelque chose dans à l'intérieur de cette petite, bah, j'allais dire une montagne, c'est pas une montagne, mais à l'intérieur, sous-sol, il y avait quelque chose. Comment on y accède? Bonne question. Escalader un peu. Il y a encore des petits champignons là. Sont-ils pas beaux? Rébellion. Rien à faire avec cette chouette. Ah! Champignons encore. Qu'est-ce qu'on aurait tout au-dessus là? Où arrivons-nous? Pierre de lune. Ah, ce serait. Ah, mais c'est la volière! Rébellion. C'est la volière, effectivement. Bon, on a rien à trouver sur les côtés. À l'intérieur, on va aller voir. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des chouettes partout. On ira faire un tour après Olar. On va voir ce qu'on peut dégager. On va aller vendre un maximum de choses, hein. Bon. Détruire. Ah, j'aime pas ça. Ça nous fait perdre de l'argent, ça, hein. Et nous, on aime l'argent. Voilà. Mitaine en acajou. Rébellion. Je pense que c'est plus en hauteur.
Les belles petites chouettes. Les beaux petits hiboux. C'est juste ici. Les hiboux de Poudlard, les hiboux de l'école et les hiboux de compagnie des élèves vivent dans la volière de Poudlard. Il est conseillé de l'explorer avec prudence en se méfiant des fientes de hiboux et des squelettes de souris régurgités. Je me sens... Oh! Revelio. Aha! Comment je... Ah, il y a une échelle. Oh, elles sont belles celles-ci en blanc comme ça. Bonjour mesdames. Merci beaucoup. Ah! On peut pas le... Regardez. Levioso! Ah! Qu'est-ce qu'il... Bonjour! Vous allez bien? Incendio! C'est dommage. Ah, on l'a pas récupéré? Ah non. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, on lui a foutu un incendio dans... En pleine face. Malheureusement, elle n'a pas bronché. Allez, bah redescendons. Hein. Ouais, je vais aller à... C'est pas ça que je voulais faire. On va aller après au lard. Ça par contre, c'est ça c'est un peu relou. Hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. En vrai de vrai, c'est un peu relou. Pourquoi je peux pas... Voilà, après au lard. Pour revendre ses fournitures, ses vêtements et tout ça. Après, je comprends. Après, on doit avoir un il doit forcément y avoir un stockage. Hein. Mais. Je l'ai pas encore trouvé. Ah, pardon, pardon. Tu te montes la tête. Pardon. Ne te regarde. Pardon. Vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds... Je m'en fous de tes chaussettes. Est-ce que tu le comprends, ça? Je veux vendre mes objets. Salut, gamin. Comment vas-tu? Je vais vendre tout ce qui est en verre. Mais c'était faux. Là, on a deux écharpes. Une à 25. Celle-ci est moins bien. Exceptionnel. Ah, c'est des niveaux qu'il y a à côté, d'accord. Donc en fait, niveau 4, on s'en fout. Niveau 14, niveau 12, niveau 11, 14, 12, 13, 7... Ne sois pas ridicule. On va partir chapeau là. Bah écoute, ça va bien, très cher gamin. C'est ça. Est-ce qu'on recherche pas ce qui... Est-ce qu'on rechercherait pas ce qui nous manque ici? Il s'amuse, fait des claquettes. Fait des claquettes, notre ami. Bon. On va rechercher un petit peu ce qui nous manque par ici. Ah! J'ai vu une... J'ai pas vu une page volée. C'était peut-être un hibou. Je sais pas s'il va repasser ici. Exactement. C'est le jeu Hogwarts Legacy. Jeu basé sur l'univers de Harry Potter. Bien évidemment. J'aimerais bien trouver quand même quelques pages ici. Alors par contre, est-ce que... Par exemple, si je fais ça. Que je vais dans les défis.
que je regarde Guide du sorcier. Du coup, ça voudrait dire qu'il me manque 13 pages. Et une fois que j'ai 13 pages, ça veut dire que j'ai tout récupéré ici. Si c'est ça, en vrai, je m'attarde sur les 13 pages qui me manquent. Et... bon, après, ça va pas être si évident que ça à vraiment tout trouver. Hein. Je pense que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. Même s'il y a le petit bruit qui est significatif, c'est un hibou. J'ai pas vu. Specto patronum. Revelio. J'ai pas l'impression de... Si elle court, c'est qu'elle se sait coupable, mais... elle s'est arrêtée. Pourquoi tu fais... je vous dérange pas? Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu t'as... attends, quand je me retourne... non mais... attendez, on est d'accord qu'elle me cherche, là. Regardez. Je vais me retourner. Hop, on fait le tour. Ah, ça a pas marché. J'ai l'impression qu'elle attend quand je suis à côté, non? Non, je suis peut-être juste parano. Non, c'est encore une... c'est que des chouettes. Mais est-ce qu'on n'aurait pas... est-ce qu'on n'aurait pas une zone de Préolar qu'on n'a pas véritablement visitée? Parce que là, j'y suis allé, hein. Ah! C'est par là. Mais c'est peut-être à l'intérieur, mais du coup je peux pas y aller. Je crois bien que c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a pas une entrée quelque part pour aller ici? Ah non, on a rien. Bah en vrai, je vais me barrer d'ici. Hein. S'il y a des endroits que je peux pas... que je peux pas accéder, ça sert à rien qu'on s'embête à rester ici. Qu'est-ce que c'est ça? Forêt interdite. C'est pas vraiment la forêt interdite que je cherche, moi. Ah, mais il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, là. Coffre de collection, statue... les quêtes, page du guide, putain, on en a 60 sur 150. Oh, l'angoisse. Carte de Poudlard. Bon, allez, hein. Ça marche. Et bah, bonne soirée à toi, Gabin. Merci malgré tout d'être passé. D'avoir fait un petit bonjour. Bon, j'ai retourné par là. J'avais vu qu'il y avait un endroit pour... ah, c'est peut-être là. Pour ce TP. Non. Revelio. Il doit pas être si loin que ça du truc pour ce TP. Ouais, y a rien de bien intéressant. Bon, moi j'aimerais bien retrouver l'endroit là où on avait notre grotte. Où fallait utiliser le sort Incendio. Revelio.
peut rentrer dans votre baraque là ou pas? Ah non, tout est fermé. Ah voilà, il était là. Chut, tais-toi. Il n'y a vraiment aucune porte où on peut accéder. Hein. Je vais retourner vers le... Oh, champignon. On va retourner vers le stade là. Le terrain de Quidditch. J'aimerais bien rentrer à l'intérieur. Ah, j'allais dire, est-ce qu'on y a accès? Oui, on y a accès. Revelio. Ah ouais, on peut rentrer à l'intérieur. Cool. Si Black ne l'avait pas interdit, nous ne serions pas en train de chercher cette fichue chose. Je peux pas avoir un... C'est beaucoup mieux. Un balai. Bon, malheureusement, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire ici pour le moment. C'est juste une impression, c'est vrai que j'en sais rien, mais... Bon, moi, voilà, j'aimerais bien retrouver où j'étais la dernière fois. C'est quoi qui a explosé, là? Il y a eu comme une explosion. Donc ça, c'est là qu'on était sorti pour aller après Olar. Donc en vrai, on s'en tape. Ah! Où est-ce? C'était une page de livre ou pas? Il y a plein de choses là au-dessus. Ça doit être à l'intérieur. Et grimpe. Ce guide du sorcier est bien pratique. On peut rentrer là ou pas? Oui. Revelio. Oh. Protego. Pardon. Je voulais pas. Alors pourquoi on voit les sombras là? Ça veut dire qu'on a déjà vu la mort. On peut pas la rouvrir. Vous êtes libre. Fermé. Bon, en vrai, ça doit être encore un endroit où j'ai pas accès. Hein. J'ai pas accès par ici. Ah, attendez, peut-être en passant par le dessus là. Allez voir, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, la diligence. Revelio. Y a rien du tout. On va aller voir en montant. Quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Action. Incendio. Levioso. Incendio. Merde. Revelio. Ça me le montre. Incendio. Je sais pas ce que c'est. Tant pis que ça. Allons voir par là. Ah. Revelio. C'est torturette ici, hein. Y'a vraiment rien? Ok. On peut peut-être l'avoir plus par là. Incendio. Non, ça va pas assez loin. Revelio. Protego. Reparo. Attendez, mais il est où mon sort? Le là, il est là. Thank you.
C'est raté. Enfin, c'est raté, non, on a réussi. Va, petit chat, bien. Tu veux venir te coucher là? Alors, par contre, si tu vas te coucher, si tu veux venir te coucher là. Réveillon. Ça va pas être ouf. Allez, viens. Voilà. Tu vas te mettre dans la pire des positions possibles. Ça va pas être agréable pour toi. Et moi, je vais avoir mal aux jambes dans quelques instants. Bon, du coup, on n'a rien trouvé vers l'extérieur. Enfin, pas grand chose. Tu vas te coucher à un moment? S'il te plaît. Allez, grimpe. Ouais, ça va encore, t'es bien là. Ah! Une page. Les remparts du château. Ces remparts défensifs et des enchantements de protection puissants protègent le château de Poudlard depuis des siècles. Les anciens couloirs et les vieilles chambres des remparts recèlent bien des mystères et peuvent valoir le détour. On va peut-être continuer de s'y attarder alors sur ces remparts. Et malheureusement, il y a des endroits où je peux pas. J'ai pas accès là. Ça va. Réveillon. Bonjour. Ah! Action. Au pied. Donc là, il... Bah non, 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 mais ça va. Du coup, c'est pas. C'est pas ce que j'ai dit, parce que là il m'en manquerait 35 et j'en avais 60 sur 150. Donc dans tous les cas, non, je n'aurais pas tout ce qu'il me faut. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gringes-bourdons. Les gringes-bourdons sont les insectes volants magiques produisant de la mélasse qui rend triste celui qui la mange. Ils se nourrissent d'orties et apprécient les endroits sombres et isolés. Malheureusement, ils sont connus pour infester les ruches, ce qui a de conséquences désastreuses sur le miel. Le miel. Réveillon. Pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Alors, je sais pas où on se dirige. Qu'est-ce que c'est ça? Incendio. Non. Ça ne sert à rien. Ah, y a pas grand chose, hein. Pour ne pas dire qu'il y a rien. Et par ici. Qu'est-ce donc cela? Rébellion. Ah. Leviosa. Une étincelle et ses vignes sèches deviendront du petit bois. Quoi? De quoi tu parles? Ah, c'est ça? Incendio. Oh! Couloir secret. Ah, bah, c'est une quête. Bah oui, mais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Action! Levioso! Incendio! Rebellion! Bon, il faut faire quelque chose ici, mais. Je sais pas ce que c'est qu'il faut faire. Bon, et du coup on a rien d'autre. Bah écoutez, on s'était pas spécialement prévu pour faire une quête. Mais on va la faire, on est devant. Ah! Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Peut-être. Lumos. Filet du diable. Oh. Lumos. À l'ombre est vivace, mais au soleil grimace. Rébellion. Pardon. J'ai pas fait exprès. On a des choses tout droit là.
Ah. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacule avénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. On va se faire bouffer, oui. Oh, des pièces. Et là, on ressortirait. Mais non, mais y a des choses à revoir, là. Revelio. Lumos. Moi, je vais guetter, hein. Ah, là, regardez. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Levioso. Lumos. Incendio. Lumos. Rebellion. Faut rien faire avec ce truc là. Incendio. Non. Lumos. Ok. Écoute, il y avait une autre porte hein, par là. Rebellion. Lumos. Non, on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, y'a un maxi coffre là. Leglioso. Non! Lumos. Mais comment je fais? Action. Lumos. Comme ça. Tout simplement. Ok, voilà, c'était juste pour. Enfin, juste. C'était pour récupérer ça. Très bien. Bon, je pense qu'après, on a fait le tour ici. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc, on devrait pouvoir se barrer maintenant. Comment? Aïe, aïe, aïe. Je crois pas qu'il y ait quelque chose derrière. Allez. Allons-nous-en. À ma fille. Y voir. Ah, on réapparaît ici. Ah. On fout ça dans notre poche. Très bien. Lumos. Il y en a partout en plus. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce maxi coffre? Chapeau tôle d'araignée somptueux. Alors là par contre, ça part directement sur ma tête. Je suis sûr que ça a l'air d'être la folie ce chapeau. Ça sera peut-être mieux que celui qu'on a habituellement. Chapeau. Ah ouais. Ah la gueule qu'on a, non mais. La dégaine du type. C'est bon, on a tout récupéré? On peut s'en aller maintenant? Revelio. Ah. Qu'est-ce donc cela? Couloir secret. J'entends quelque chose par là. Ah, ici. Qu'est-ce donc cela? Prune dirigeable. Lorsqu'il pousse, ce fruit orange qui ressemble à un radis flotte à l'envers. Certains racontent qu'il aide à accepter extraordinaire. Très bien. Ah, nous sommes niveau 15. Bravo, bravo. Bel exploit. Ah. Arbre de la serre. Trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Quel plaisir de vous revoir. Ouais, tais-toi.
C'était là qu'on était rentré la dernière fois. Allez, barrons-nous. Ah. Mais du coup, ça me dit pas... Alors, mais attendez, j'essaye de refaire un petit peu le parcours que j'avais fait. Comment j'en étais arrivé à cet endroit là où il y a... J'étais dehors. Et il y avait cette espèce de... De grotte. En fait, c'était une grotte et à l'intérieur, il y avait un truc où on pouvait... Non, là on est de nouveau à l'endroit là, donc pas besoin de réinteragir avec ça. Bon, du coup je suis en train de me rediriger vers l'entrée là. Bonjour fantôme. Bon. Revelio. J'ai entendu. C'est au-dessus. Merde. Ah non, peut-être pas au-dessus finalement. Où est-ce qu'on est? Oh non, mais c'est vrai qu'on... Lumos. C'est pas ça que je voulais faire. Coup dur, mais au moins ça nous donne 500 piécettes d'or. Mais là on va... Ah putain. Là on va revenir à l'endroit où il y avait les cloches là. Ah mais ça... Ça j'ai aucune foutue idée de comment on fait. Hein. Laissez tomber. En fait, c'est bizarre parce qu'à chaque fois je me dirige et je vais un petit peu n'importe où. Et à chaque fois, merde, et à chaque fois je ratterris à l'endroit là. C'est très bizarre. Ce tableau, mais merde. Bon, Bah en vrai tant pis, hein, faut que j'alterne sans arrêt avec ça, mais là ce sphinx, non mais ça devrait pas être aussi loin normalement. Ça ne devrait pas être trop loin. Mais me revoilà ici. Non mais, attendez, mais je suis en train de faire le même chemin. Mais non, mais je suis... J'en ai marre de... La prochaine fois que je raterris ici, ça va barder. Hein. Je tourne complètement en rond, c'est abusé. Bon, nous voici là, d'accord, très bien. Là, on voit à peu près où on est. Je sais pas où je vais, hein. Bibliothèque, ça, non? Ouais. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Je l'ai. Ah. Plus que 4. Mais attendez, mais je suis peut-être pas censé être ici, moi. Axio. Je suis peut-être pas censé être ici. Revelio. On va peut-être me gauler, je vais me faire engueuler. Faut éteindre le feu. Faut avoir un sort pour éteindre le feu. On n'y a malheureusement pas encore accès. Ah! Ce doit être le journal de Cressida.
Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais... J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur ses... sur mes chrysopes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public. Il pense tout savoir sur les potions. Il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aura déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps. Mais je préfère quand même la tourte à la viande. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ça me fait peur. Il faut que je retrouve encore des livres. Ah. Je crois que c'est l'endroit où si je me fais gauler... Revelio. Oh là-bas! Il faut monter. Pardon, pardon, je sais pas ce que j'ai déclenché là, mais je voulais pas aller par là. Je vais aller au-dessus. Hein. Bon, c'était pas du côté là, mais est-ce qu'on peut relier les deux côtés ou pas? Oui. Très clairement. Où est-il? Et il est là! Action. Je l'ai raté? Oh, saleté! Et de 4! Ils en manquent un, il est peut-être de l'autre côté? Revelio. Il est là. Il se fout de moi. Action. C'est le voilà. Livre. Je devrais les rapporter à Cressida. J'ai pas lu tous les bouquins. Bon, j'étais pas censé venir ici, moi, de base. Ah. Merci pour l'argent. En tout cas, il n'y avait personne ici. Ah, c'était elle pour ses bouquins? C'est elle, Cressida? Est-ce que tu as réussi à retrouver mon journal? Oui. Et mes autres livres? Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! J'ai tout lu! Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Donc elle m'a pas donné de récompense quoi. Elle en a rien à secouer. Très bien. Mais je vais dire merci mais je ne te remercie pas du coup. Comment on y va à cette statue qui est en bas là? Ah, il peut pas faire un petit saut là comme ça pour passer au-dessus. C'est trop compliqué pour lui. Tous les coups cette porte. Voilà, elle est fermée, un plaisir. Du coup en passant par là, bah j'ai pas accès. M-E-R-O-V-E. Bon bah je vais grimper hein. Encore une fois, je ne sais pas où je vais. Revelio.
là il y a un truc. Regardez. Comment je peux encore monter quelque part ou pas? Je l'ai vu au plafond. Comment je peux y avoir accès? Ah, on la voit là, non? Oui. C'est l'une des baf-boules de Zenobia. Les baf-boules. Elle en fait toute une histoire. C'est totalement par hasard hein, qu'on tombe dessus. C'est fou comme j'ai du mal à me repérer là. Bah, y'a rien ici. Rebellion. Ça a l'air d'être au-dessus que j'entends, mais je peux pas monter là. Je peux monter quelque part ou non? Apparemment non. Reculez, canaille. Comment ça, canaille? Non mais où? On va se détendre. Voilà, on monte beaucoup là. Ah, nous sommes dehors. Et nous re-rentrons. Ah, on est dans la tour Serre d'Aigle. Ah mais du coup, il y a rien ici. Ah, on l'a fait l'énigme là. Du coup, j'avais vraiment tout récupéré ou... Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est ? D'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ouais, bah... Hein. Ah, on peut faire ça. Levioso. Levioso. Bon, bah allons par là. De toute façon... Au point où on en est... Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas où on va. Rebellion. Ah, c'est une porte. Ah, mais je suis pas très très loin de ma salle commune là, non? Je dois me mettre tout près. Eh oui, c'est là. Bah, on va entrer chez nous. Enfin, chez nous. Allez, vas-y. Pardon, pardon, pardon. J'ai pas fait exprès. Tac. Ah merde, c'est... Je croyais que c'était un coffre avec des non-œils. Tu veux pas faire une roulade là? Ce guide du sorcier est bien pratique. On peut pas faire de roulade ici. Ça, j'y ai pas accès, mais il y a plein de trucs que j'ai pas accès là, c'est route de niveau 1. Au bout d'un moment, ça va bien. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici? Y'a rien là. Y'a rien. On va aller dormir. Je sais même pas si on peut dormir en vrai. Mais y'a jamais personne en fait dans le dortoir. Pas dormir, c'est pas ici mon lit, c'est au-dessus, en dessous. Mafada Hopcric. Ah, je ne peux pas dormir et j'ai personne dans mon dortoir. Très bien, un plaisir. J'avais pas vu le troisième là. J'avais pas vu. Bon. C'est bien sympa. On se balade, mais on fait pas grand chose.
coup, vu qu'en fait on n'a pas, il y a pas mal de sortilèges qu'on n'a pas, dont on n'a pas encore les capacités pour les réaliser. On n'a pas fait les quêtes pour. Pardon, mais j'ai pas fait exprès. Par contre, je croyais qu'on n'était pas censé se balader en fait en pleine nuit. Je crois que le jeu s'en fout. C'était peut-être avant. Avant, on avait le droit. Bon, là, on n'a pas accès. Allez, descendons. Ah! Rebellion. Attendez, mais je suis pas venu ici? L'architecte de Poudlard. L'architecte de Poudlard, représenté ici entouré des mascottes des quatre maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle. Et est donc à l'origine du plan au sol en constant changement. C'est donc par ta faute si les escaliers se comportent comme ça? Eh bah pas merci. Alors. Et bien c'est donc l'espèce de morse. Voilà. Et le 11, 5, 1, 6 et 5. C'est l'espèce de hibou. Alors où est-ce qu'il est le... Rebellio. Bah il est où le deuxième? Ah il est là. Comment je fais pour y aller? Ah, il est là, d'accord. En route pour de nouvelles aventures. Ah bah merde alors. J'ai pas le hibou. Alors j'ai peut-être mal regardé. Ou peut-être mal calculé aussi. On a dit 5 et 1, 6. Donc il me faut bien le 5. Ah non, c'est l'espèce de... Ouais. L'espèce de crabe. Je sais pas vraiment comment le représenter. Voilà, cette chose là. Je repère ma voix, c'est cool. Ouvre la porte, vite. Merci. Uniforme brodé, formel. Un grand tapis. C'est le grand tapis. Rebellion. Bon, du coup, ça c'est une zone où je suis pas allé. Hein. Bah. Ah, attendez, mais comment je me suis débrouillé? Ah, mais si je suis venu, parce que c'est là qu'il y a les sabliers. Alors donc je viens d'arriver par là, on est d'accord? Alors ici je devrais pas y être allé alors. Ah. Rebellion. Qu'est-ce donc cela? Livre de recettes des elfes de maison. Ce livre qui contiendrait des créations originales de Helga Poufsouffle rassemble des recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats comme les prunes dirigeables au vinaigre finissent par être appréciés avec le temps. Quelque chose vraiment pas loin. Là. C'est pas l'entrée des... Poufsouffle. Portrait de poire. Ah non. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignée qui vous permettra dans les cuisines de Poudlard. Mais il me semble que
que l'entrée de leur salle commune, c'est près des cuisines, hein. Tonneau de pouf souffle. Pour accéder à la salle commune de pouf souffle, vous devez tapoter le deuxième tonneau en partant du bas au milieu de la deuxième rangée au rythme de Helga pouf souffle. À la moindre erreur, l'accès vous sera refusé et vous recevrez un jet de vinaigre. Ah. Je sais pas sur lequel faut que je tape alors. Tant pis dans tous les cas. Mais j'aurais bien aimé aller dans les cuisines, moi. Bon, dans tous les cas, on est venu ici. On n'a pas trouvé grand chose d'intéressant. Oui. La poudre de cheminette, ouais, on a compris. Alors. Nous sommes de nouveau près d'une entrée ou une sortie. Là, on a une statue par là. Allez, mais... Leviosa. Parfait. 26 sur 50. Ah, mais c'est... Alors, attendez, c'est par là qu'il y avait le pont avec les... Avec les espèces de bras zéro. Qu'est-ce que... Revelio. Où sommes-nous? Il faudrait que je retrouve. On était passé par un endroit comme ça. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit exactement ici. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Qu'est-ce que tu traînes ici, toi? Qu'est-ce que vous traînez ici? Revelio. Ah, donc voilà. Donc là, je suis revenu près de la salle commune des cerfs d'aigle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'était après. Oula, par contre, elle buguait un peu, là, notre... Ça bug un petit peu, hein. Il est où le pont? Là, il y a encore un vrai zéro à ouvrir, à allumer là au-dessus. Incendio. Ok, faut allumer par le dessous. Donc ça, on était passé par ici. Le guide du sorcier est bien pratique. Faut que je retrouve du coup le pont en question. Ah, c'est là. C'est là. Allons faire l'énigme. Ah, du coup, faut allumer ces bras zéro. Incendio. Et là, du coup, on peut interagir. Alors. Ok. Alors on va voir si j'ai juste. Merde. Incendio. Alors du coup ma logique n'est pas bonne. Ça me semble pas être une bonne logique en vrai. C'est quoi le chiffre? Attendez, on va regarder.
Ouais, ma logique est pas bonne là. Et donc là... J'essaie de réfléchir, mais ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal, mais il y a un endroit, ça doit être ici, ça doit bugger. Bah là, je dirais que c'est 1. Et là, on a dit que c'était quoi? Pam 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 pararam pam. Pam 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 pararam pam. Alors du coup j'ai peut-être pas la bonne logique. Parce qu'en fait de base je pensais que c'était le nombre de fois que le symbole était transpercé, on va dire. Mais du coup ça a pas l'air d'être ça. Après je me suis dit c'est peut-être le nombre de fois qu'il y a le symbole. Donc là par exemple... Ah attendez. Ah mais non, d'accord. Alors celui là-bas c'est 3. Pourquoi c'est 3? Alors pourquoi 3? Pourquoi 3? Je vois pas pourquoi 3. Ah, parce que... Ah, si, en fait, c'est juste le trait. Le trait, il traverse une fois le cercle en haut, une fois le triangle, et une deuxième fois le cercle. Donc ça fait 3. Là, bah là, pourquoi... En fait, là, pourquoi c'est 1? Bon, bref. Je sais pas où on va, mais on y va. Oh, yes. Où sommes-nous? Oh, le rat. Pam 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 pararam pam. Oh, un maxi coffre. Lunette étrange à monture d'argent. Réveillon. Qui a entre guillemets que des coffres ici? Y a rien d'autre? Ok, bon bah un chouïa déçu hein, quand même. Mais bon, au moins on a réussi l'énigme, même si j'ai pas tout compris. Alors 2, en fait 2 c'est logique sur celui-là. 4 c'est logique sur celui-là. Ou alors c'est vraiment les formes que ça fait. Mais là alors du coup pourquoi ce serait 3? Parce qu'on a triangle, rond. Et c'est tout. Alors par contre, il y a un endroit où j'étais descendu et c'était par ici. Je crois que j'avais continué. J'avais dû monter. Ça va l'ami?
Bah, très bien. Revelio. C'était par là que j'étais descendu. Là, on avait fait le tableau là. Comment on dé... Ça me dit quelque chose d'être... Attendez, je crois que je t'ai passé par là. Pardon. Non, je t'ai pas passé par là. C'est des conneries. Revelio. Et là, on reconnaît quel est cet endroit. Pour ceux qui ont vu les films. Alors, je sais plus si ça s'appelle vraiment le hangar à bateau. Enfin bref, c'est ça qu'il y a ici. C'est ça, hangar à bateau. Revelio. Ah. Où est-ce? Ah, c'est là-bas près du bateau. Ouh la vache, il a piqué une tête directement. Lac noir, le lac noir ou grand lac, mais le directeur actuel n'affectionne pas ce nom. C'est une étendue d'eau douce située au sud du château. On trouve dans ses profondeurs sombres des êtres de l'eau, des strangulots et d'autres espèces de créatures aquatiques magiques, y compris le calmar géant, un céphalopode étonnamment amical amateur de pain grillé. Est-ce qu'on a envie de plonger là-dedans du coup? Non, hein. Mais j'aimerais bien retrouver mon endroit quand même. Je sais que c'est pas ici, mais. Pourquoi j'ai la musique? À mon avis, il y a eu un thème qui ressemblait un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack et ça m'a fait penser à ça. Bon, bah. Oui, c'est bien. Bah, du coup, on va remonter, hein. Parce que je pense que ici, on a fait ce qu'il fallait. Ah, puis là, du coup, la musique, je l'aurai dans la tête. Je vais pas arrêter de la fredonner. C'est sûr. On va essayer de retrouver. Alors, c'était pas ici qu'on était descendu. Où c'était? Si c'était pas ici. Alors on est passé par ici. Revelio. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'elle fait? Arrêtez de taper dans les mains. Est-ce que ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Où est-ce qu'il y a un chien? Voilà. Vous vous faufilez dans mon dos? Je sais. Pour prendre des livres dangereux. Ils viennent de la réserve de la bibliothèque. Oui, mais... Ça suffit! Tenez! Balayez la tour! Comment est-ce qu'on redescend de là? La la li la li la la la. Ah! Protego! Merci pour les 500 pièces. Ah, où est-ce que... C'était pas loin d'ici. C'était quand même pas la pièce d'en face. J'avais pas traversé ça et j'étais pas rentré là. Parce que là, on re-rentre dans le château. Non, je crois que j'étais vraiment passé par quelque part ici, mais... Comment retrouver? Comment je pourrais retrouver où c'était? Peut-être en continuant par là.
Mais non, mais je suis passé. Non, mais je suis passé là tout à l'heure, donc non, c'est pas là. À moins que j'ai loupé un escalier qui nous faisait descendre. Après, j'ai peut-être une connerie, hein. C'était peut-être pas. C'était peut-être pas par ici. J'ai envie de me dire que c'était par là. Mais le fait de ne pas en être certain, ça m'embête un peu. Ah. Bon, la grande salle. C'est bien cool, mais ça nous intéresse pas. Je sais pas pourquoi j'aurais dit qu'il y avait un chemin par là, non? Ah! 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 Non, c'est pas là. Parce que là, j'avais dit, eh, on peut tomber, on peut tomber, on peut pas tomber, et on pouvait pas tomber. Donc, c'est pas par là. J'avais pas traversé le pont, là. Et j'étais. Oh, je crois que c'est ça. Il faut traverser le pont. Ah, laissez-moi remonter, par pitié. Faut qu'on traverse le pont. Je crois que c'était à côté, c'était par la suite. On va aller voir. On va essayer de trouver notre chemin vers le pont. Normalement, ça doit être vers la gauche. Très bien. Il n'y a pas de chemin qui mène vers la gauche. En tout cas, pas ici. Peut-être en dessous. Serait-ce par là? Ah! Oh là, on a un truc pour mettre le feu! Incendio. Donne-moi ça. Où est le pont? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce style? Non mais, je veux pas aller dans les chiottes, voyons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incendio. Ça, je sais pas quoi. Non. C'est par là le pont? Ah non, c'est pas le pont là qu'il faut que je prenne. Où est-ce qu'il est? Parce que là, où est-ce que ça nous mène ici? Ah, c'est là où il y avait les duels. Bah ouais, mais non. C'est pas là qu'on doit aller. Après, si on est-ce qu'en se servant de la carte, on peut trouver où on veut aller? C'est ça, hein, c'est ce pont. Donc ça serait derrière nous, mais comment on y va? Ah. Oh putain, faut... Comment ça, faut faire tout le tour? Mais... Attends. On va aller jusque l'infirmerie parce qu'on n'y est pas allé. Mais en vrai, ça doit être tout près d'ici normalement. Ça doit être vraiment tout près d'ici le pont en question. Ah, le retour de la musique. Ah. Oh merde, non. Oh. Revelio. Où est-ce que je suis? Très bien.
plaisir ces petits passages secrets. Hein. Ah mais je peux pas y aller. Écoutez. Ah oui, il y a la porte, on la voit, on l'avait vu au-dessus. Bon. Il a non, ça c'est pas la même chose. Mais je veux pas. Mais non, mais je voulais pas aller là du coup. Ah, c'est là. OK. OK, nous sommes ici. Très bien. Il y avait rien à faire aux alentours. OK. Bon, on était passé par là et on était descendu, je crois, par la gauche après. Et normalement on devrait tomber dessus à un moment donné. C'est ça hein. Ouais, on est allé vers Chiagrid. Par contre, est-ce qu'on était parti de ce côté-ci? Allez voir. Ah. Ça me dit rien ça. Ah si, c'est ça. C'est là-haut la grotte. Ok, donc faut descendre jusque la place. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça là. Alors j'avais dit, est-ce qu'on n'a pas besoin de... Incendio. Incendio. Ah d'accord. Tout ça. Je devrais regarder ça de plus près. Revelio. Un uniforme pull en laine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes dans une espèce de sépulture. Oh! Ah non, d'accord, c'est juste des... Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose à faire. Mais on est juste venu pour rechercher ça? Ah, ça me paraît étrange aussi. Action. Les vieux sont... Incendio. Revelio. Bon, on est peut-être venu juste pour ça. Bah écoutez... Tant pis. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est? Incendio. Allez. Action. Comment ça? Pourquoi il disparaît? C'est au cas où... Bah non, j'allais dire c'est au cas où on le bloque, mais... Ah, nous nous sommes bloqués, ça va. Un plaisir. Le jus de sangsue. Bon, on va voir dans la grotte. En fait, j'ai un doute. Je suis en train de me demander si c'était pas... C'était pas autre chose que utiliser du feu pour la grotte. Je me souviens plus. On va aller voir pour en avoir le cœur net, hein, mais... J'ai les doutes. Qu'est-ce que c'était qu'il fallait faire du coup? Ah oui, il y avait ça là, mais... Incendio. Bah y'a rien à faire hein. C'est juste une sculpture du magnifique poulpe. Ouais, donc je pense que
Je pense qu'on ne peut rien faire ici. Ou alors faut aller se foutre la tête en plein milieu du lac et essayer de se faire gauler par le poulpe, le calmar. Bon. D'où elle sort cette lumière? Ah ouais d'accord, c'est un bug. Cette lumière verte. Allez, nage! On va pas traverser à la nage. Ou que non. Qu'est-ce que... Revelio. C'est quoi que j'ai entendu? J'ai entendu briller, non? Revelio. Ok, moi j'ai peut-être... peut-être rêvé. Bon, il y a ça, mais... ça, ouais, normalement c'est bon, hein. Normalement on s'est... on a fait ce qu'on avait à faire avec ça. En tout cas, j'ai rien vu d'autre. Rien qui me paraissait suspect. Donc, très bien. Bon, les moutons, voilà, on dit bonjour. Très bien. Où est-ce que ça menait ici? On y allait? Revelio. Ça ne me dit pas grand chose. Ah non, on n'est pas venu ici. Oh là, il y a une quête là-bas. On va faire ça. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Effectivement, c'est joli ici. Très bien. Bonjour. Tu fais un peu peur, hein, ami. Revelio. Dans la ville d'Halloween. Il y a plein de coffres par contre. On va aller dire bonjour à... Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient au... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Il se sent invincible. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. De même. Ce fut
Ça fait un plaisir. Il y a encore des choses à l'intérieur. L'endroit semble être assez agréable. Ah mais là je peux pas y aller. Encore des Après choses aussi dans cette baraque. Fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Mais comment? Ah. Ok. C'est où ce qui me manque aussi là? C'est vraiment juste derrière. Attendez, mais je l'ai pas pris. Je suis passé par là. Revelio. Bah. Ah. Tant pour moi. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Qui es-tu? Bonjour monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. Bah je ne suis pas un simple élève de Poudlard. Je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Très bien. Que proposez-vous à la vente? Montre-moi ce que tu vends. Mais je peux te vendre... Ah, bah je peux te vendre mes vêtements nuls. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Ah regardez, ça vaut de la thune, hein. Ça vaut de la thune. Là, on n'a pas le niveau pour récupérer ça. C'est pas grave. Bon, au niveau de tes potions, comment ça se passe? Le jus de sangsue me saoule tout qu'on a récupéré, ça. Permet d'accroître les dégâts infligés par les sorcières de la personne qui la boit pendant une durée limitée. Ok. Bah non, c'est bon. J'espère vous revoir bientôt. J'aimerais aller voir l'autre là qu'on avait. Qu'on avait vu par là. Il y en avait un qui était au bout avec une mission, je crois. Au bout d'un ponton. Il est là. Revelio. Mais rien à faire. Oh mais tu veux pas te... Mais bon, on va y aller tranquille. On va pas courir. Bonjour. Bonjour. Je peux t'aider? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Ah. Peut-être que tu pourrais m'aider? Je crains de ne pas être très enthousiaste à l'idée de patauger au fond du lac. Oh, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Peut-être que si tu prenais le temps de m'écouter, tu changerais d'avis. Je vais me faire engueuler, hein. Qu'est-ce que tu dois retrouver exactement, et pourquoi? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père.
Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Oh madame, excusez-moi. Nous sommes pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Eh ben, t'as qu'à plonger toi-même au fond du lac. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Oui, j'ai compris. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Ah bah génial. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'ai compris. Mais comment... J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Mais comment... Comment on fait pour plonger au fond? Oh putain, cette vue. Mais je vais me faire attaquer, moi. Il y a des bulles. Je crois que c'est pas bon signe, ça. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ah. Non mais si on se fait pas attaquer là... Putain, c'est cool, on récupère des objets. C'est bien, non? C'est pas des objets de fou. Ah, on a récupéré l'astrolabe. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Ouais, bah on va y aller. Hein. D'abord, je fouille. Oh non, putain, ça recommence. C'est pas ça que je voulais faire. Il y en a marre hein, de jeter mes objets là. Pourquoi c'est bloqué ça, à niveau 17? Non mais... Oh c'est loufoque à Lovegood. Ah oh non mais on va pas mettre ça, franchement. Après si je mets ça, est-ce que ça me fait... Ah bah non, ça me met pas un emplacement en plus. Mais j'ai rien acheté aussi, moi. Ah, c'est mieux. Cette belle écharpe bleue. Non, allez, tant pis. Je retournerai aller chercher les objets, mais plus tard. Je vais aller... De toute façon, il y a le truc, il y a le marchand, là. C'est long à retourner sur le quai. On va aller lui donner ses objets. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait quelques petites quêtes, c'est vrai qu'on avait dit qu'on explorerait un petit peu. Bon, on a exploré un petit peu quand même. On s'est baladé, on s'est perdu. Je peux pas remonter par ici. Faire tout le tour, génial. Bonjour Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Ah. Est-ce qu'on essaye pour voir si... Je l'ai trouvé, mais ça n'a pas été facile.
J'aurais besoin d'une compensation. Je vois. Je suppose que tu le mérites. Voici donc une récompense pour avoir trouvé ce trésor enfoui. Merci de me l'avoir rapporté. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Du coup, elle m'a donné 20 pièces d'or. Bah, la prochaine fois, je demanderai pas à ce qu'on me donne de récompense. Hein. 20 pièces d'or. Excuse-moi, hein, très cher, mais. C'est pas ouf. Bon. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Je veux revendre plein de mes merdes. 4 et 4, 8 et 4. Ah, mais du coup, c'est parce qu'il y a les trucs que j'ai sur moi. Bon, en vrai, ça, je peux revendre. Hein. Voilà, c'est que niveau 7, on s'en fout. La cape de Quidditch. Ça, on s'en fout. Les lunettes. Ouais, c'est pas ouf. Allez, vas-y. Ça dégage. Niveau 12, ça dégage. Allez, vas-y, ça dégage aussi. Allez, zouf. Le reste, on va garder. Bon, on va retourner vite fait plonger dans le lac noir pour voir si on peut récupérer quelques objets. Puis après, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là, voilà, comme j'ai dit. Après, c'est plutôt pas mal. Non, mais franchement, à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Il n'y a pas un mode photo. Merde. Non, mais là. C'est magnifique, hein, de nuit. Ah! Bon. Alors, son ponton. Là, c'est des bulles aussi, là, regardez. Bon, en fait, je vais aller récupérer les objets du lac, moi. Je vais faire que ça. Ça va me faire de la thune. Facile et rapide. Regardez. Jusqu'au moment où on va se faire attaquer par quelque chose, hein. Il y a un moment, c'est clair, net et précis qu'on va se faire attaquer par quelque chose. Uniforme professionnel avec blazer. Du coup, c'était par où qu'il y avait les bubules? J'espère qu'elles y sont encore, hein. On avait des objets à récupérer, nous. Ça a l'air d'avoir disparu. Ça a clairement disparu. Ils étaient par là, non? Je vais aller voir sur cette île. Du coup. Non, on s'arrêtera sur cette île, tant pis. Hein. Tant pis. J'ai un poil peur de me faire attaquer, moi, quand même. Hein. Je suis pas serein. Allez, avance. Ah, pourquoi il y a une flèche rouge, ici? Qu'est-ce que c'est que cette flèche rouge? Oh! Action! Putain. Oh, on l'a explosé, le pauvre. Ok, donc les flèches rouges, c'est des ennemis. Un coffre. Rebellio. Y'a rien ici, du coup. Oh, mais
Y'a un énigme dans l'eau là? Bon. Y'a vraiment rien d'autre? Ah là, y'a un truc caché. Qu'est-ce donc cela? Ah. Langue de Fangieux. Attendez, par contre, ça me mettait qu'il y avait un ennemi vers l'eau. Il est parti? Il pue là? Ah si, d'accord, il est de l'autre côté. Ah oui, je le vois. En effet, tu ressembles à rien. Ah ouais, non, mais là, c'est... Et encore, je peux faire mieux, hein. Je peux faire mieux. Il m'a vu, il m'a pas vu. Ah, ça ne marche pas. C'est pas de sien. Peut lui lancer le feu. C'est raté. Bon, il a l'air d'être très très con quand même. Hein. Non, on peut pas le tirer vers nous. Il est très con parce que je sais pas ce qu'il fait là, mais. Ah, ça y est, il m'attaque. Non, mais tu peux pas m'attaquer avec ta langue là. Tu vas pas assez loin. Quel combat passionnant! C'est la folie. Allez, ça dégage. Comment ça? Allez, dégage. Vaincre les Fangieux, 2 sur 5. Récupérer. On a des petits trucs à récupérer ici. Pierre de lune. Bon, du coup, on avait dit qu'on s'arrêtait, hein. Ah ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore un faux jeu machin là. Vas-y, hein. On va le bourriner, hein, parce qu'il sait rien faire. Par contre, t'es obligé de. Voilà, reste à distance comme ça. Mais non, 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 non! Putain, il est où? C'est un peu de la merde les ennemis comme ça quand ils nous attaquent même pas. Ah, on peut lui jeter un caillou sur la gueule. Plaisir, un plaisir. Et donne-moi ça. Bon, bah voilà. J'aurais même posé à un endroit et me dire voilà, on s'arrête ici. Est-ce qu'on a une belle vue de Poudlard de là? On va regarder en vitesse. Ah, on le voit un peu là. Peut-être là? Regardez. Ah, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Dommage qu'on puisse pas se mettre assis ici. On se met assis et on assiste. Ah, ça, c'est dommage qu'on a le. Alors, ouais, on peut pas le retirer ce point de merde là. Voilà. Admirons Poudlard. Revelio. C'est beau de nuit. Bon, bref. Du coup. On va s'arrêter ici. On a fait quelques quêtes, comme j'ai dit, un petit peu de balade nocturne comme de jour. C'était bien cool. On a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir dans ce château et dans ses alentours. Mais on verra ça la prochaine fois. Et encore une fois, on a une dégaine. Ça devrait même pas être autorisé en fait d'être comme ça dans Poudlard. Mais regarde, on peut se mettre avec ses lunettes.
Et là, est-ce qu'on a pas la classe avec ça? Est-ce qu'on a mieux? Ah, manche de baguette. Ah ouais, ok. Alors celui-là, ça fait pas mal parce que la couleur est... On va mettre ce manche de baguette. Du coup, c'est quoi le manche de baguette, le nom? Colimaçon marron. En vrai, ça se fait moche. Hein. Non, celui-là c'est pas mal. Celui-là c'est pas mal. On va mettre ça. Couvre-chef. On a un haut de forme. On a peut-être pas envie de voir ça. Cap et tenue. C'est vrai que j'ai la cape Quidditch. T'as cette gueule. Non mais au secours. Au secours. Et un ensemble, qu'est-ce que c'est qu'on a là? Ah, ça me fait augmenter mes stats de ouf. Ouais. Nous sommes un homme d'affaires très prisé. Non, je suis désolé, mais je vais au moins retirer les lunettes. Le reste à la limite, mais ça non, c'est pas possible. Ce chapeau. Ce chapeau des enfers. Bref, allez. Cette fois-ci, on s'arrête ici. Donc, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez une très bonne soirée. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.